Salut Patrick Desvarieux, Compas Magazine. Moi, je connais qu'un pile fanatique, besoin qu'on ait qui l'a que l'équipe a commencé à jouer live pour supporter le nouveau album, Maki et Misère. Nous avons remarqué que Maki et Misère jouent une réponse très, très, très positive de Yora et qu'il y a un pile musique que un pile fanatique aimait, alors que c'est normal pour nous t'aimer qu'on ait qui l'a que Jazz a commencé à jouer live. Nous avons dit comme ça que d'après Boogie, Boogie parlait avec Compas Magazine et lui dit nous comme ça que premier bal équipe, l'a fait le 2 mars dans Boston. Le 2 mars dans la Coupe Boston, c'est grande première équipe pour l'album Maki et Misère là. Pour qui ça Boston? Bon, Boston c'est une pigou maquette dans HMA là. Et je connais que il y a 2-3 dans nous, tu as droit à penser que c'est New York ou bien Miami que le d'avoir fait. Mais pour nous-mêmes, nous t'étendons, tu as une parole de Montréal et tu as une parole de Haïti avant ça. Mais semblait finalement, d'après Boogie, c'est dans Boston le 2 mars que l'équipe pral fait grande première yo pour l'album Maki et Misère là. En termes de est-ce que c'est stratégie ça fait que yo pral faire, est-ce que y a joué pour contre yo dans grande première yo, ou bien est-ce que y a essayé mettre tête ensemble avec de série de jazz ou bien solo artiste pour essayer 20 tickets. Nous pourrons gagner pour ça pour ça alors. Seul bah nous dit c'est que ça que Boogie dit nous c'est stay tuned. Mais le 2 mars dans Boston premier bal équipe là pour album Maki et Misère là. Patrick Desvarieux, Compas Magazine, Kembe là.